Hassan! Parler des différences entre kendo et cette école de sabre. Le kendo, il est venu d'un moment difficile pour les arts martiaux. Lorsqu'en 1868, les samouraïs ont perdu leur position sociale, la caste a été abolie, ils devaient enseigner, mais qui voulait apprendre un métier qui n'avait pas d'avenir? Les Japonais, à part ceux qui aimaient les antiquités, ils n'apprenaient plus. C'était plus un métier. C'était un métier sans avenir. Donc à un moment donné, pour intéresser le public, on a créé des compétitions qui n'existaient pas. Et le kendo est venu un peu de là. Ils se sont réunis à plusieurs écoles pour créer une possibilité d'avenir pour l'esprit du sabre. Et donc ils ont créé, à l'imitation de l'Occident, des compétitions pour se protéger des armures, etc. Bon, des armures préexistaient, mais ils les ont utilisées. Et donc, c'est devenu un sport. Ceux qui sont intéressés peuvent pousser plus loin leur étude, aller vers la spiritualité, parce que c'est pas dit qu'il n'y ait pas de spiritualité du tout, mais ce n'est pas la base. D'ailleurs, dans les écoles anciennes, ce n'est pas une nécessité. Le fantassin n'a pas besoin de connaître la stratégie. Vous nous dites s'il y avait des différences sur le plan technique ou dans l'enseignement? Alors, techniquement, on a surtout utilisé une école qui s'appelle Onohai Toryu. C'est une école particulière qui a particulièrement donné techniquement au kendo. D'autres écoles aussi. La nôtre, non. Donc, c'est une synthèse. C'est une synthèse de différentes écoles. Après, chaque école à ses particularités extrêmes. Je ne peux pas dire beaucoup plus. Comme dans une école de musique, on apprend le jazz, on apprend à jouer, c'est un tronc commun. Le kendo, c'est un tronc commun. Après, chaque personne peut développer un style particulier et lui-même l'inventer. Mais ce ne sera pas forcément étudié en tant que tel. On donne dans une école un tronc commun. Le kendo, c'est un tronc commun. Mais il y a, par exemple, les gens qui viennent du kendo seraient perdus dans ce que je fais. Et moi, si j'allais faire du kendo, il faudrait que j'apprenne parce que c'est pas du tout pareil. C'est pas pareil. Voilà. Juste une dernière chose et je pense qu'on va arrêter. Je vous ai expliqué mon parcours pour expliquer ce que je dis. J'ai expliqué le parcours de cette école de Musashi pour expliquer ce qu'il dit, comme le parcours du Bouddha. Comprendre un enseignement sans comprendre le parcours qu'a suivi cet enseignement, on rate quelque chose. Et en France, on comprend les arts martiaux parce que des universitaires, des journalistes sont allés au Japon. Et donc, on a eu une sensibilité de journalistes, Pierre Loti, d'universitaires, de diplomates. Les anglo-saxons, ils ont une toute autre approche. Une toute autre approche. Les anglo-saxons ont découvert les arts martiaux anciens, Koryu, école ancienne, à travers les GI qui sont revenus après la Deuxième Guerre mondiale. Notamment un, le nom m'échappe là tout de suite. Très connu, très respecté. Il a créé une discipline d'études des arts martiaux qu'on appelle hoplologie, de l'hoplite, le soldat grec. Eh bien, pour eux, c'est naturel d'avoir cette optique de soldat. Pour eux, c'est l'efficacité avant tout. Le samouraï est d'abord un homme de métier. Moi, je vous propose le samouraï dans son développement vers la spiritualité ou vers un code moral. Bon, les origines vietnamiennes influent beaucoup dessus puisque l'attitude morale est prédominante pour nous. Et donc, par exemple, un ouvrage qui présente les arts martiaux anciens aux États-Unis, en anglais,
L'introduction est rédigée par un général des Jiai. Ça ne viendrait absolument pas à l'idée en France de quelqu'un de demander à un général parachutiste ou de la Légion étrangère de faire une introduction à un livre sur les arts martiaux anciens. Donc, il faut comprendre dans ce que je dis que ce n'est pas forcément évident ou acceptable pour des gens qui ont eu accès par une autre route maritime, disons. Et je pense qu'aujourd'hui, les routes que prennent les gens créent cette compréhension différente. C'est important. C'est important de le dire. Ce que je dis pour eux, c'est pas évident. Pour eux, pour certains, le sabre, c'est pour tuer. Point. Oui, mais vous n'avez pas le droit de tenir un sabre si vous ne comprenez que cela. Ici, il y a cela. Mais ce n'est permis de faire cela que si on comprend le reste. Et qui ne nous autorise pas à tuer. C'est un chemin de vie.